Bonjour. Bonjour. Donc, solidaire d'abord. Aujourd'hui, 60 jours en gros avant l'élection présidentielle, on est toujours une émission qui essaye de décoder l'actualité autrement que les chaînes mainstream. Alors, aujourd'hui, on est trois autour de la table. On commence à être fidèles autour de cette émission, à trois, là, comme ça, hein, maintenant, avec Alain et Denis. La première réflexion, c'est sur cette baguette à 29 centimes. Il y avait un chef cuisinier qui s'appelle Thierry Marx. Le nom Marx me plaît bien par rapport à ce qu'il a dit, puisqu'il dit que... voilà, il trouve que cette mesure est complètement injuste pour les artisans et les agriculteurs. S'il y a des gens modestes en France, c'est parce que le low cost, depuis les années 70, dégrade notre économie. Alors après, moi je suis allé chercher sur Internet si je voyais des choses qui étaient en rapport avec cette façon de dénoncer ce low cost. Et donc je suis tombé sur 1789 où en fait on nous parle déjà des gens révolutionnaires qui vont chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. D'ailleurs à la place du low cost on pourrait dire le pas cher, hein, parce qu'en fait c'est ça. Exactement, tu as raison, c'est bien que tu aies décodé là, le truc. Oui voilà, moi je dis low cost en faisant exprès. Hein. On est tous là en train d'essayer d'avoir cet accent anglais. Ou petit à petit, cette économie ultra-libérale qui vient de là-bas, hein, quand même, soyons bien clairs, la langue aussi, bientôt, on n'existe plus, quoi. On n'a pas oublié Miss Thatcher. Voilà. Oui, mais tout, il y a beaucoup de choses qui sont low cost. Il y a le pain, là, on parle du pain, mais il y a aussi les voitures, il y a le travail est low cost, avec les travailleurs détachés, tout est low cost maintenant. Ouais. Dans le libéral, tout est tiré vers le bas. Et low cost. Il n'y a pas de limite. Et donc, dans ce petit article qui parle du mitron, à la boulangère, le boulanger, ils expliquent en même temps que maintenant, on meurt plus de faim en France. Non, mais on meurt de diabète ou on meurt de maladies cardiovasculaires. Voilà, c'est plus lent, mais les pauvres meurent d'être pauvres. Voilà. Oui, puis un fait de société aussi, il y a beaucoup de gens qui, s'ils sont remis un peu, le restent dans leur canapé, peut-être qu'ils... ils ne seraient pas obèses comme certains et ce qui entraîne leur mentalité. Parce que oui, l'obésité entraîne beaucoup de mortalité aussi. Mais ce qui nous font bouffer amène cette obésité aussi. Hein. Oui, bien sûr. Donc c'est pas simple tout ça. Ouais. En fait, oui, c'est un choix. Je crois que les riches réservent la malbouffe, disons, aux pauvres. Hein. Et en fait, ce sont des consommateurs, des gens utiles. Le fait qu'ils soient vivants, c'est utile parce qu'ils sont là pour manger et pour, disons, déstocker la malbouffe qui est en surproduction et qui permet des coûts colossaux au niveau de l'industrie. Il y a eu un décret pain qui avait été pris en 1993 avec un cuistot, l'appareil Jean-Pierre Coff, là, qui était un animal médiatique, on va dire. Hein, voilà. Et donc lui, il avait réussi à obtenir qu'on définisse mieux ce qu'était une baguette tradition. C'est codé. Et normalement, c'est un pain qui lève, etc. Parce que bon, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette baguette à 29 centimes. Mais moi, je suis sûr que les gens qui ont un peu de pognon, ils n'iront jamais acheter cette baguette à 29 centimes dans un supermarché. Hein. Oui, on se demande qui c'est qui gagne sa vie là-dedans. Ouais. On se demande, je sais bien que les machines font beaucoup de travail, mais quand même, il y a bien quelqu'un qui ne veut pas bien gagner sa vie dedans, frère. De toute façon, le pas cher, quelqu'un le paye. Ouais. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire, le pas cher, quelqu'un le paye. Et puis, c'est plus qu'un symbole, cette baguette. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est un modèle économique. Parce que, au bout du bout, finalement, toute notre société fonctionne de cette manière-là, en tirant tout vers le bas.
Hein, c'est le tournant de la rigueur, c'est l'austérité, c'est, etc. Ça fait 40 ans que ça dure. Les salaires sont bloqués, sont gelés depuis un sacré moment, en tout cas pour le public. Et les retraites. Et les retraites. Donc pour le privé, bah, il s'aligne. Et donc tout le monde petit à petit baisse le dos. On est de moins en moins payé puisqu'il n'y a pas augmentation des salaires. Le coût de la vie est en train de prendre une baffe, là, hein, puisqu'on voit bien que là, ça part à la hausse dans tous les sens. Tu expliquais que les loyers étaient plus chers. Hein, oui, oui, par rapport à après-guerre. Les loyers, là, c'était la nourriture qui était la première dépense des ménages. Maintenant, c'est le loyer. Donc on a basculé parce que la nourriture, évidemment, après-guerre, c'était pas évident. Maintenant, avec les machines, on produit beaucoup plus. Pas toujours de la bonne qualité. Et c'est les loyers, par contre, qui ont monté en qualité, il faut reconnaître. Les loyers, les gens, ils ne veulent pas qu'une pièce, ils vivent dans plusieurs pièces. Enfin bon, c'est légitime, hein, mais c'est un coût. Moi, je ne suis pas complètement convaincu de ce que tu dis, parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est les parts respectives des différentes bourses, si tu veux. On a une bourse pour l'alimentaire, une bourse pour le loyer, etc. Et comme notre salaire n'augmente pas, même donc par rapport au coût de la vie, on va dire qu'il baisse, hein, parce que s'il n'augmente pas au bout d'un certain moment, puisque le coût de la vie augmente, c'est qu'il baisse notre salaire, et ben là, le quota, la part qui va pour le loyer devient de plus en plus importante, puisque par contre, l'alimentaire, ils arrivent de façon artificielle à le faire baisser. C'est-à-dire que artificiel, ça veut dire que petit à petit, les grandes enseignes de le Lidl, les Carrefour, les Leclerc, etc., qui tirent leur épingle du jeu du fait que bah, les prix baissent. Oui, et puis l'agroalimentaire, de plus en plus, reprend les terres agricoles. On voit Fleury Michon et compagnie, ils reprennent des terres agricoles, eux, pour faire leur propre production. Donc voilà, tout est géré pour eux, à leur guise, et après c'est plus les agriculteurs qui gèrent ça. Et puis nos agriculteurs gagnent de moins en moins bien leur vie, hein. Ça devient quand même Il y a des professions d'agriculteurs, c'est lamentable. Ils travaillent beaucoup, hein, ils travaillent beaucoup. Je vous racontais tout à l'heure l'histoire. Oui, vas-y, vas-y. Hein, je rentrais une fois en voiture et je vois, sommet d'un col, c'était en hiver, le gars était en train de labourer avec son tracteur, il devait être à peu près 18-19 heures, hein. Il était avec son tracteur, avec ses phares, en train de bosser. Et je me disais, mais autrefois, car mon grand-père, lui qui avait un mulet, bon, ben, il équipait pas son mulet d'un projecteur, hein, pour. Bon, il travaillait, c'est un travailleur, mais il faisait des heures normales, là. Il travaillait, disons, il respectait au moins avec le soleil. Il se levait avec le soleil, il se recouchait avec le soleil, quoi. Hein. Les journées en agriculture étaient rythmées sur le rythme de la journée. Donc, les gens font beaucoup d'heures. Ils n'arrivent pas à travailler, ils n'arrivent pas à vivre, à vivre correctement. Les machines qui auraient dû améliorer la façon de vivre, améliorer les conditions de travail et donner du temps libre, ça a été le contraire, c'est l'esclavagisme de l'homme. Et de plus, on leur a fait faire des crédits, ils se sont endettés, et les gars, ben, ils arrivent à plus voir l'issue, ils se disent « je peux pas travailler plus, c'est pas possible, déjà j'ai empiété sur mon sommeil, hein. Donc il me reste plus qu'une solution, c'est me pendre ». Oui, voilà, c'est dans l'agriculture qu'il y a le plus de suicides, et oui. Sans compter toutes les exploitations qui ferment, c'est là où il y a le plus de suicides. Maintenant, moi, je vous pose juste une question. Imaginez que on libère les salaires, c'est-à-dire que les gens aient plus de salaires et des salaires plus importants. À votre avis, est-ce que justement tous ces magasins de low cost seraient contents? Ils seraient intéressés? Ben non. Bon, on sait pas. Parce qu'ils font leur blé, c'est le cas de le dire. Sur. Oui, moi, c'est pas le consommateur qui s'y ferait. Ouais. Est-ce qu'il prend cet argent qu'il a en plus pour du loisir? Pour acheter de la meilleure nourriture, pour partir en vacances. Moi, je me souviens, je me souviens jeune, hein, quand on gagnait pas beaucoup d'argent. Je ne prétends pas que je gagne beaucoup d'argent maintenant, hein, mais quand on avait des enfants petits, ben on essayait d'acheter à bouffer pour que les gamins aient à peu près quelque chose de correct. Et nous, mère et père, eh ben on bouffait des steaks de merde. On savait très bien qu'on achetait de la merde. Si on avait eu quelques sous de plus, on n'aurait pas acheté de la merde. Comme ça. Oui, mais enfin bon, il faut voir la moyenne des gens, quoi. Il faut pas.
Je sais pas, c'est à voir. Quand on voit qu'en Allemagne, ils ont isolé les maisons davantage, mais ça n'a pas fait d'économie d'énergie parce que les gens ils se chauffent plus. Oui, c'est vrai. Donc bon, c'est pas l'esprit, voilà. Alors après, c'est, je crois, aussi politique, hein, parce qu'il y a un travail peut-être à faire aussi au niveau de la culture individuelle, hein, de chacun, c'est-à-dire bien séparer les besoins que l'on a, et puis les désirs, un peu les désirs capricieux, parce que c'est vrai qu'on peut être dans une consommation, mais tout cela, c'est cette société aussi de consommation qui nous le transmet, qui nous crée des besoins. Hein. Autrefois, on n'avait pas le portail électrique, on n'avait pas la piscine, on peut vivre sans ça. Hein. Oui, alors sûr. Il nous faut quand même de l'eau correcte, il nous faut nous nourrir correctement, ça devrait être normalement une priorité. Et tout ça, eh bien, je crois que on peut éduquer les gens. Hein. Un programme politique ambitieux, il commence à éduquer les enfants par l'école, par... Il y a un programme culturel qui se fait. Ils sont en train de la casser, l'école. Tu vois qu'ils sont en train de tout casser. On a vendu les autoroutes. Hein, les prix des autoroutes vont monter, évidemment. Là, ils sont en train de nous dire ça. Hein. On est dans des déserts médicaux parce qu'on a vendu, etc., nos hôpitaux et tout. On ferme les lits. On désarme peu à peu l'éducation nationale par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que petit à petit, les instits, eh ben, ils sont en train de faire du gardiennage parce qu'on leur enlève tous les moyens. Bon, voilà. Donc, effectivement, après, les parents d'élèves, ils sont pas contents. Ça se comprend puisque les enfants, ils apprennent rien à l'école. Enfin, ils ont l'impression que avec le Covid, ça va être pire. Hein. Voilà, on a désarmé la justice, hein, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de moyens dans la justice. C'est pas par hasard qu'il y a des juges qui se sont mis à faire des grèves de la faim et tout ça. Là. On a vu ça, il y en a un sacré paquet qui dénonce ça. On a de plus en plus de sans-abri. Hein. Ils ont doublé entre 2012 et maintenant. Les sans-abri, quoi. C'est complètement fou. Et puis, on se retrouve avec un prix de l'énergie qui flambe. C'est ce que tu nous disais. Oui. Et puis, je crois que malheureusement, eh bien, c'est pas fini, ce prix de l'énergie qui flambe. Alors déjà, parce que les pics pétroliers sont dépassés. Hein. Alors le pic pétrolier, rapidement, je vous dis, ça désigne le sommet de la courbe de l'extraction mondiale de pétrole. Hein. C'est-à-dire, autrement dit, le point où celle-ci atteint son niveau maximal avant de connaître par la suite un déclin dû à l'épuisement progressif des réserves de pétrole. Bon, ça c'est une chose, mais d'autre part, ces augmentations ne sont pas finies parce que tout ceci profite à l'État. Eh oui, le prix du carburant, il intègre en fait deux composantes principales. Alors tu voulais nous faire un petit exercice de mathématiques. Hein, voilà, c'est ce que je propose. Donc dans le prix du pétrole, il y a déjà le coût de production, hein, il faut bien pomper ce pétrole, il faut bien, disons, le raffiner, il faut bien l'amener jusqu'à notre pompe. Hein. À Aubena. Et donc tout ceci, c'est 40% du prix que l'on va payer à la pompe. C'est-à-dire aujourd'hui à peu près 1,65€, 1,70€, ça dépend, disons, où on va. Ça doit être à peu près ça. Hein. Et puis il y a 60%, c'est la fiscalité. 60%. Hein. Alors la fiscalité, elle se décline en deux taxes. La TICPE, alors c'est toujours un petit peu compliqué, c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Je t'arrête un instant. Les gilets jaunes, au plus fort moment des gilets jaunes, ont dénoncé cette taxe TICPE en demandant à ce qu'elle soit baissée. Voilà, et cette taxe, alors elle n'est pas baissée, elle n'est pas augmentée, mais elle est fixe. Par contre, il faut le savoir, elle est aujourd'hui de 69,02 sur un litre de 1,65, 1,70. Et puis après, il y a la TVA qui arrive sur tous les produits. Mais cette TVA à 20%, elle est non seulement sur la production, mais en plus, elle est sur la TICPE. TICPE, pardon. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est l'impôt sur l'impôt. Voilà, on met une taxe et après on met une taxe sur la taxe. Voilà. Moi je crois que franchement, le néolibéralisme, le capitalisme, franchement, mais c'est indécent. Mais ils sont très très forts. Alors la question se pose, hein. Est-ce qu'on est d'accord pour continuer avec un système pareil, avec ce système néolibéral, avec le capitalisme en fait, hein, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Quoi, hein. Qu'on soit d'accord ou pas, un coup ou l'autre, ça va coincer. Donc plus on attend, plus ça va coincer fort. Un coup là, ça va coincer. Mais toi qui es un candidat présumé, hein, ah oui.
Denis, hein, moi je reviens à ça quand même, parce qu'on fait une émission là, si vous n'avez pas compris, nous on est là en soutien du candidat Denis. Hein. Voilà. On l'a pris en photo. Et voilà. Et donc, en fait, est-ce que toi tu es d'accord, comme tous les candidats, tous ces candidats à la présidentielle qui sont... Bon, je sais pas, on va dire sur l'échiquier très à main droite, on va dire, hein, dur ou centriste, ou les dits radicaux. Il y a des radicaux, si tu sais ce que ça veut dire, radicaux. Alors il y a les radicaux de droite et les radicaux de gauche. Moi, j'ai pas tout à fait compris ce que ça voulait dire être radical dans ces conditions-là, mais enfin bon. Et il y a pas les Hollande. Les Hollande aussi, ils ont été pour ce système néolibéral. Et toi, Denis, toi, notre candidat présumé, est-ce que tu es d'accord avec ce système libéral ? Il faut arrêter cette casse sociale et casse tout court du système. Il faut arrêter, parce qu'on va vers un mur écologique pas croyable. On parlait du pétrole. Entre le moment qu'on fait une recherche de pétrole et le moment que le premier baril arrive en France, ou l'essence arrive en France, il faut 5 ans. Et il n'y a presque plus de recherche. Donc on veut dire que dans 5 ans, le pétrole, on a divisé la production par 2 ou par 3. Donc, un coup ou l'autre, il y avoir un clash. Alors, autant l'anticiper, mais les ayatollahs du PIB, de la production à outrance, ils n'entendent pas de cette façon. Et en tant que citoyen, c'est pas évident de dire il faut moins consommer autrement. Mais on va y être obligé. Donc, moi, en tant que candidat, je propose que déjà d'entrée, on commence à revoir notre système de vie. Mais donc, tu es d'accord pour libéraliser tout, continuer à faire casser le service public, casser les écoles, etc. Non, là, il y a de quoi faire, parce que vraiment, on est tombé vraiment bas. Parce que moi, je suis extrêmement choqué par la banalisation du discours de Zemmour. Parce que bon, on l'entend partout. Là, on vient de passer un week-end où il y a eu que Zemmour et Le Pen, le duel à distance, etc. On a eu que ça. Bon, voilà. Et quand même, c'est des gens qui sont. C'est un mec qui est ultra libéral. Il est en train de nous expliquer qu'il faut travailler plus pour gagner plus, comme. Vous vous souvenez sans doute de cette vieille rengaine, hein, qu'il faut défiscaliser, et c'est là que doucement, là, je viens sur un sujet que tu voulais traiter, Alain. Défiscaliser encore un petit peu plus les 100 euros ou les 1000 euros qu'on va donner en prime à chacun. Alors oui, l'indemnité d'inflation de 100 euros, qui peut en bénéficier, donc il y a à peu près, même pas à peu près, c'est 38 millions de personnes résidant en France, hein, qui ont dû toucher déjà, alors des salariés. Ceux qui gagnaient moins de 2000 euros. Voilà, ceux qui touchaient moins de 2000 euros, donc il y a 38 millions de personnes qui touchent moins de 2000 euros par mois. Donc ça a fait une charge quand même, hein, j'allais dire pour l'État, mais non, pas pour l'État, parce que vous allez voir, ça a fait une charge de 3 milliards 800 millions. Quasiment 4 milliards. Oui. Voilà, pratiquement 4 milliards. Mais en fait, c'est votre patron, si vous êtes salarié, hein, ou bien votre organisme de retraite, si vous êtes à la retraite, qui vous les a mis en plus sur votre bulletin de salaire. Hein. Et en fait, ce devrait être l'État, mais ça a été rattrapé. Donc le patron, au moment où il a versé ses charges, puisque là c'est le patron, hein, donc on parlerait de cotisation si c'était le salarié, mais là c'est le patron. Donc c'est le patron qui a enlevé 100 euros pour ses charges, charges salariales. Hein, sur les cotisations qu'il paye normalement. Sur les cotisations à la sécurité sociale, c'est-à-dire à l'URSSAF. Hein, donc carrément, il te file du pognon qui, lui, il te file rien. En fait, l'État file rien. Ouais. Les gens se font eux-mêmes par la sécurité sociale, c'est-à-dire par la retraite, par la maladie, par l'accident du travail. En fait, tu t'autofinances. On s'autofinance, voilà. Et après, les mêmes personnes, les mêmes libéraux, nous diront que la sécurité sociale est en déficit. Il faut pas se faire d'illusion, exactement. Quand l'État, enfin, le gouvernement donne des sous, c'est nos sous qu'il donne. Hein. C'est les nôtres, hein. Alors, c'est vrai que c'est toujours les nôtres, moi je suis d'accord avec toi, ouais. Et c'est vrai que même si c'est l'impôt, c'est quand même nous qui l'aurons versé, mais là c'est encore pire, parce que c'est dans le cas d'un salarié, c'est vraiment ses cotisations, c'est-à-dire il se crée sa retraite, hein, ou il s'assure par rapport à son éventuelle maladie, hein, qu'il peut avoir, ou son chômage. Et là, bon, ben, on pique 3 milliards 800 millions dans la caisse. Hein, alors que ces mêmes personnes nous ont sorti les violons de multiples fois pour nous dire que la sécurité sociale était en déficit, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément vrai.
Et donc Zemmour est complètement d'accord avec ce genre de système-là. Mais alors surtout, moi, il y a quelque chose quand même que je trouve vraiment nauséabond, hein, excusez-moi. Alors il y en a plein qui vont dire, ah, ça y est, la grande rhétorique nauséabonde et tout. Moi, je suis désolé, hein, mon père était résistant. Il était de droite, mon père. Bon, personne n'est parfait. Hein. Bon, voilà, mon père était de droite, c'est comme ça. J'y peux rien, ça me plaît pas, mais c'est comme ça. Mais je sais qu'il a été vraiment résistant en 40. Il a fait plein de choses. Enfin, bref, voilà. Et franchement, il se retrouverait aujourd'hui là derrière un poste de télé, derrière ces discours révisionnistes dont tu parlais, hein, parce que tu parlais du révisionnisme historique. Franchement, en mélangeant tout, Pétain, De Gaulle et tout, et hop, allons-y, je vais vous le servir frais, la Nouvelle France. Oh non, quand même, non. Merde. Oui, son discours vraiment est limite. Et puis en plus, maintenant, là, quand il attaque pour essayer de récupérer, enfin pas de récupérer, parce qu'il a déjà l'électorat, par rapport à Marine Le Pen, l'électorat des forces de police, qui dit la violence légitime de la police est assurée, il n'y a pas de souci, et toute violence policière est légitime. On peut aller vers des dérives pas croyables, hein, parce qu'on a déjà vu aux Gilets jaunes ce que ça a donné. Ouais. Si maintenant, c'est 100% de ceux qui peuvent faire est banalisé et couvert, ça fait peur. Moi, je ne sais pas comment on peut dire que la violence est légitime, quoi. La violence, ouais. Ben, c'est Marc Weber, la violence d'État est légitime. Ouais. Comment on peut arriver à dire ça, quoi. Mais en même temps, on a envie de dire Gilets jaunes, réveillez-vous, parce que là, quelque part, il va chercher sur cet électorat-là aussi, hein, sur les gens du samedi, etc. Mais il y en a quand même plein qui s'en sont pris plein la gueule, quoi. Comment ils peuvent laisser dire ça? Ça paraît ahurissant, non? Ah oui, oui, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont perdu la vue, qui ont perdu des mains. Oui, et tous ceux qui ont été matraqués et qui ont fini à l'hôpital avec des gueules complètement décassées. Alors, avant que l'émission se termine, parce que petit à petit, on s'avance vers la fin, je voudrais rappeler les différentes manifs et les différentes urgences qu'il y a eu dans les 15 jours qui viennent de passer. Ben, d'abord, il y a eu une manif pour l'urgence sociale, le 27 janvier. Il y a eu une soirée sur la santé à Pont-d'Aubenas, qui avait été initiée par les candidats... Comment ? Il y a eu une soixantaine de participants. C'est une soixantaine de participants, ouais. C'était très intéressant, hein, cette soirée sur la santé, je trouve. C'était chacun prenait un peu à bras le corps. Oui, puis chacun menait son vécu, sa détresse, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de docteur. Ouais. Donc voilà, ils étaient venus peut-être chercher un peu de réconfort ou une solution peut-être à leurs problèmes. Mais bon, il y avait une soixantaine de participants. Ça a été divisé en trois tables qui amenaient des... C'était bien. Moi, je trouvais que c'est une soirée intéressante. Je voudrais juste dire que quand même, il y a une école, l'école de Baza, qui est en menace de fermeture. Et il y a une classe qui s'appelle Ulysse dans cette école. Cette classe, déjà, elle va être externalisée de l'école de Baza et elle va être mise à Saint-Étienne de Fontbellon, mais sans qu'on demande la permission ou l'accord ou à quoi ça sert à tout le monde. Hein. C'est l'éducation nationale très directive qui à un moment on décide ça dans son petit coin. Et par contre, ils ferment une classe et là, quelque part, il y a un truc, il y a un jeu, moi j'aurais envie de dire un jeu de dupe où chacun se renvoie la balle entre l'éducation nationale et la mairie d'Aubenas. Et je trouve que ça, franchement, là, il y a un jeu vraiment pas sympa, quoi, je trouve. Hein. Là, il me semble que la mairie d'Aubenas nous a habitués à des choses moins graves que ça. Chacun s'envoie la patate chaude en disant, voilà. C'est pas moi, c'est lui. Voilà, c'est pas moi, c'est et lui. Et la classe Ulysse, tu peux nous expliquer? Alors, la classe Ulysse, c'est ce qui s'appelait CLIS autrefois. Donc, c'est des enfants qui ont des troubles du comportement. Il y a aussi des enfants qui ont quelques petits handicaps physiques, hein, il peut y avoir aussi des handicapés, mais c'est surtout des troubles du comportement. D'où l'importance qu'il y ait ces structures sur Aubenas, en proximité. Et puis que cette structure soit dans une école pas trop grande, parce que ces enfants-là sont justement des enfants qui ont besoin d'un cocon et d'arriver à trouver leur marque, tu vois. Et là, par exemple, à Baza, c'était très très bien, parce que tu avais cette classe Ulysse,
où tu avais ensuite les enfants qui pouvaient être dispatchés dans trois classes, parce qu'il y avait trois classes autour, dans lesquelles c'était toujours des copains qu'ils voyaient à la récré facilement, un petit monde, on va dire, hein, au total, on va dire 80 élèves sur cette école de Baza à peu près, et donc c'était pas une école surdimensionnée. Par contre, s'ils vont à Saint-Étienne de Fontbellon, il y aura beaucoup plus d'élèves, et donc ils seront perdus là-dedans. Nous, on aime les enfants, on veut qu'ils soient respectés, oui. même quand ils ont des différences. C'est parce qu'ils ont des différences qu'ils méritent tout notre respect, notre compassion. Oui, non, mais c'est les parents, ça a désorganisé les parents complètement. Oui. Parce qu'après, les transports, c'est pas les mêmes. Alors, est-ce qu'il y aura des navettes mises en place? Est-ce qu'il y aura des facilités? Parce que les parents sont organisés pour aller dans une école, si après, il faut qu'ils aillent dans une autre, c'est pas toujours évident pour eux. Et puis, les impôts, ça sert à ça, disons, à ce qu'il y ait des structures, et des structures d'accueil, et pour l'éducation, et pour les gens qui sont dans leurs différences et leurs souffrances. Et dans les souffrances, il y a les enfants, mais il y a aussi les parents. Alors, je suis obligé de vous couper parce qu'il y a encore deux petites choses à dire. D'abord, il y a eu trois manifs sur l'action sociale à Privas. Et puis, il y a eu le Pôle emploi qui a été en grève. Et dernière chose, alors c'est quelque chose sur quoi on a un tract, c'est à Saint-Cernin. Il y a eu une grève et puis une deuxième grève. Et puis là, maintenant, il y a un appel à un rassemblement le 9 février à 13h devant la résidence de la Bastide du Mont Vinobre à Saint-Cernin. C'est la maison de retraite. La maison de retraite, parce que le libéralisme amène une faillite complète par rapport au personnel soignant qui est là. Il nous éloigne de l'homme et de l'humain. Et voilà, absolument. Donc de l'essentiel. Bon courage. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir.